Oh, c'est pas vrai. Non, mais le colis devait arriver demain. Ma nouvelle combinaison Zerod. C'est génial parce que lundi, je reçois la combinaison. Ça veut dire que cette semaine, là, vendredi ou jeudi matin, je vais pouvoir l'essayer. Le plaisir de renager à nouveau avec les bras libres. Alors j'ai une combinaison Orca qui est très très bien, que je ne critique pas, qui est excellente en hiver, qui m'a permis cet hiver de nager dans une eau, le plus froid c'était à 0,3, avec des gants étanches, des chaussons étanches en néoprène, gants néoprène de 5 mm d'épaisseur. Mais là c'est vrai, quand on est dans les beaux jours, moi qui fais de l'eau libre, on est vraiment content d'avoir les épaules et les bras dehors. Donc je vais essayer ce modèle et on va voir. Ah, c'est sympa. Hein, l'emballage top. Le truc que tout acheteur, tout triathlète, passionné, nageur, on appréhende toujours ce genre de truc parce que voilà, c'est la taille. C'est la taille. Moi, personnellement, je suis un vrai L. J'ai regardé les tailles qu'ils proposaient, les mensurations et tout. Je pense avoir respecté le truc. On va voir. Oh, il y a un requin à l'intérieur. Ah, oh, magnifique, superbe. Déjà un point de gagné de mon côté, je ne me suis pas trompé de taille, elle est parfaite pour moi. Par contre, les premières sensations que j'ai eues en l'enfilant, ce modèle océan là de chez Zerod, c'est au niveau des genoux. On a carrément l'impression que qu'ils ont mis des genouillères. C'est plus épais que le modèle Sonar de chez Orca. Et ici, le ventre, le bas-ventre, pareil, une sensation d'épaisseur. Donc, ce qui va vouloir dire une belle planche qui va bien flotter à la surface de l'eau. Un corps bien porté, bien trop épais. Comme je vous ai dit, le ventre, mais c'était spécifié dans l'annonce. Hein. Et comme quoi, ils avaient mis des plaques au niveau du ventre. Sinon, la coupe sous les bras, parfait. Là, par contre, la petite cordelette derrière, le petit reproche que je fais, ça va, je suis souple des bras. Le petit reproche que je fais sur cette petite cordelette, ils auraient pu rajouter 10 cm de plus. Voilà, sinon il n'y a plus qu'à l'essayer en lac. Hein. Il y a encore quasiment 2 bons mois et demi où on peut nager sans manche. Alors pour l'instant, elle est parfaite cette combinaison. La combinaison Zerod Ocean Silver, elle, est faite pour aller vite. Pour des nageurs confirmés qui ont besoin d'aller vite dans l'eau, d'avoir surtout un répondant au niveau des membres inférieurs, j'entends bien par là, si le battement des pieds et des tibias est parfaitement fait, avec cette combinaison là, en effet, on va vraiment être efficace et bouleverser un petit peu les chronos qu'on avait l'habitude de faire. Alors, le nageur non confirmé, lui, vous le savez tout comme moi, il a un battement de jambes tombant, ses fesses sont trop loin de la surface de l'eau. Et ça, c'est un peu les erreurs qu'on retrouve chez les nageurs débutants,
n'ont pas encore cette ligne parfaite, c'est-à-dire par rapport à la surface de l'eau, être parfaitement à l'horizontale. Elle, la combinaison silver, bénéficie de cette épaisseur au niveau des tibias et des genoux, du bas du ventre et le ventre. Alors, j'ai essayé la combinaison. En effet, là, c'est du 5 mm. Ici, c'est du 3 mm. On n'est plus du tout dans un modèle, par exemple, de combinaison complète sonar de chez Orca, où vraiment toute la peau est fine sur les jambes. Là, Ocean Silver marque un grand coup. C'est pour ça que j'ai hâte de l'essayer. Je pense que ça va aller vraiment très très vite. La conclusion de ce premier essai avec la Zerod Ocean Silver, elle vous offre au niveau du tronc une très très bonne stabilité. Vous pensez, avec la plaque de 5 mm qu'ils ont mis au ventre et sur le bas ventre, c'est excellent. Moins échancré que le modèle Zoot Kona, mais la coupe est quand même très très bien faite. C'est un peu plus haut ici. Alors j'insiste, la petite cordelette, il manque 10 cm, hein. Mais ça, je vais y remédier. Sinon, excellent produit, on va vite. Les genoux, les tibias sont bien portés vers la surface. Excellent. Fait 4 bébés il y a à peu près un an de ça. Puis alors là, vous voyez, ils sont juste à côté de moi. Alors ils sont pas du tout craintifs, au contraire, ils viennent tout le temps nous dire bonjour. Ils sont adorables. On va pas trop les éblouir.